What's up guys, nous tournons encore jeudi pour une autre vidéo. Jeudi, on va montrer nous comment qu'on est capable de créer un website complet, OK? Et tout ça que nous allons utiliser dans website ça, c'est free, gratuit, pas rien que ou obligé payer là-dedans. Parce que tout ça que nous allons utiliser, c'est des bagages qui déjà créés déjà et puis nous même n'a juste retirer, remplacer, on relève ça drag and drop. So nous allons utiliser thème que nous avons utilisé là-dedans, il y a gratis, plugin que nous avons utilisé là-dedans, là gratis. Et nous allons utiliser une plateforme encore qui gratis, qui est le WordPress. Alright? So, quittez-moi montrer nous avant tout, ça nous allons pour nous faire aujourd'hui. So, nous allons pour nous créer belle et beautiful website, ça que nous avons là, qui gagne un store là-dedans. Alors c'est un website qui fait pour un store, par exemple soit vendre rad, soit vendre bagage yoga, soit vendre en rad fille, rad garçon, souliers, tennis, ou capable utiliser website ça parce que c'est pour ça les belles. OK, so tout ça que n'a regardé là, yo tout fait dans website là, côté qui gagne reviews, customer qui aime un produit et qui mettait reviews, tout bagage ça yo. Ou capable changer image yo, capable changer texte yo, gen blog qui déjà créé pour vous. En gros, tout website là déjà créé pour vous. Gen about section là qui vraiment belle, OK? Tout ça au café là dedans c'est juste changer photo yo et puis changer texte yo parce que ça c'est dans mi texte yo, capable changer nom, changer design ça yo, capable même arriver créer look partout si tout quoi gagner une connaissance de ça. OK, so ou capable gain page contact yo tout qui déjà créé pour tout. All right, ou capable tout ça yo c'est fake adresse que yo ye, mais ou même ou capable mettre en adresse avec un numéro téléphone pau et gagner chose pour website là tout 60 days return, free shipping. Ou capable changer icon yo, ou capable changer pied à tout. Par exemple, partie bleue ça c'est un pied website là, yo le footer en anglais. So capable changer powered by Modern Current. So en gros c'est tout ça nous pas gagner pour nous ouais. Et en plus collection yo. Ça que moi maintenant website ça il gagne très 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 belle collection, capable ouais collection en tout là. Et image yo bien placé là dedans. Alright, il gagne un parallax effects, ça que n'a regardé à la lire les parallax effects. OK. Là c'est côté produit Yoshita et à droite là tout gon l'autre parallax effect. OK. So soit aller dans page produit ou capable ouais, page produit tout fait. Petit produit en prix produit et puis en short description add to cart qui capable diriger client en checkout dans cart produit. Et par la suite, gagne une description ça, gagne reviews, là on costume met ton reviews, gagne related product. So, le cliquer sur add to cart, automatiquement li créé cart là pour, ça veut dire produit ajouté dans cart. N'a montre comment capable ajouter tout bagage ça et nous pas le faire que website là li totalement fonctionnel, OK? Kounya les clients fin ajouter un produit dans cart li, il capable view cart. OK, l'el view cart. Il est capable procéder to check out. Alright, et c'est là pour gagner pour lui rentrer en information li et puis pour le payer crédit carte. Là actuellement là nous pour mettre crédit carte disponible, mais nous gagner pour nous mettre pour nous capable montrer. So en gros c'est tout ça nous parler pour nous aujourd'hui hein? Et m'a montrer nous comment que capable changer et style texte en tête là et tout bagaille ça yo tout fait. Et Jacques me dit nous pas utiliser free, OK, matériel qui totalement gratis là-dedans, nous pas gain pour payer un goutte seulement. Ça veut dire si vous besoin un website et puis vous besoin commencer avec un budget qui PPT, so quel que soit budget, on capable dire un budget $50, $100, on capable commencer avec website, un website comme ça qui tout fait là-dedans. Et en plus modèle website ça que n'a regardé là, li non seulement en fit dans desktop ouais dans desktop là l'argent le paraît et dans téléphone tout li fit totalement très 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 bien ouais li l'édition mon a gardé dans téléphone mais qui j'en vois après li paraît dans téléphone et page produit tout c'est même bagaille que qu'on a gardé dans desktop là ouais c'est comme ça tout li paraît dans téléphone. All right, on garde collection pour nous ouais.
Voilà, ça ouais. Collection li bien chita nan téléphone ou avec des depuis mon a regardé website là nan téléphone, elle est plus considérable que ou faire website tout pour capable plus mobile friendly parce que pi fort trafic quoi bien cap venir sur website ou c'est dans téléphone y a sorti parce que monde par rapport tellement utiliser laptop pour le shop. Mais après mon en plus gain tendance utiliser téléphone et puis monter sur website ou et puis il est capable acheter. OK, ça c'est quatre là. Ouais, tout bien chita dans téléphone, pas gain rien qui coupé et les mon possible tout check out, c'est toujours encore même bagaille là. Et au cas où tant quoi pas grandi li, li a fit dans un device que li a. Même l'aime ta fait petit ouais, li bien chita dans device là. Alors c'est ça nous pral gagner pour nous apprendre jodia et à nous commencer connia. All right, so on nous garder qui ça nous gagner dans playlist nous pour jodia. OK, so premièrement nous pral ouais comment que avant que on commencer un website au besoin de ça les planification nous pral qui ça n'a gagner pour nous planifier là dedans avant même que nous créer website là. Et comme deuxième option nous pral gagner pour nous chercher un nom pour website là, ça aurait les domain name là. En pile monde ka pa gon idée de domaine name nan, jodi a nou pral apprendre nou ki sa liye. Et deuxièmement, ou pral gagner pour connecter website là. Et pour connecter website là, ou pral gagner pour en affaire avec yon compagnie qui sont hosting compagnie. Et c'est ça que fait toujours encourager moun aller pour WordPress au lieu de Shopify, parce que nan WordPress, l'op créer yon website pour nan WordPress, ou besoin gagner yon hosting à part. Pendant ce temps Shopify mette hosting nan en dedans build avec un système et côté pour créer website là. So, ça veut dire si m'ta vle créer plusieurs business, m'oblige gagner plusieurs Shopify account. So en dans un seul Shopify account, m'pa ka gagner plusieurs business. Mais pour WordPress, c'est totalement différent. Une fois que ou gagne hosting là qui séparé de WordPress là, qu'on y a là ou capable en dans hosting ça mettre des et des millions website là dedans. Et c'est ça m'va gagner pour moi montrer nous jodi là dans session ça va montrer nous comment que vous capable créer un hosting account et puis vous capable mettre plusieurs websites là dedans. All right, quatrièmement nous pral gagner pour nous montrer comment pour développer website là, comment ou transférer website là en dedans hosting là. Nous pral montrer tout bagaille ça en première partie. Nous pral montrer comment capable installer système en plateforme WordPress là que aurait le CMS qui c'est content management system. All right. Et troisièmement, nous allons développer un design website là en dans WordPress, hein, qui c'est deuxième partie. Après ça, nous allons gagner pour nous montrer comment capable ajouter un simple produit et comment capable ajouter un produit qui gagne plusieurs variables, par exemple couleur, size, tout bagage ça. Et en dernier lieu, nous allons tester fonctionnalité website là. Et en plus, nous allons gagner pour nous soumettre website là à Google. All right. So, on va aller par le commencement. Right? So, planification. Avant même que vous créez un website, quitte c'est pour business ou bien c'est un blog ou bien c'est un website personnel que vous avez créé, vous avez besoin de gagner un plan et idée de ça que vous allez faire. OK? Ça veut dire que vous avez besoin de gagner une planification qui fait. Vous avez besoin qu'on ait combien de pages vous allez gagner dans le website. Vous avez besoin qu'on ait qui sont prêts à écrire dans la page. Vous supposez gagner ou écrit déjà. Mon côté, vous avez juste besoin de taper. Vous avez besoin qu'on ait qui sont utilisés comme système de paiement dans website là, si son business lié, si son blog, ou besoin qu'on qui article pour aller écrire, si son website personnel, ou besoin tout bagage ça qu'on ait page, information, numéro de téléphone ou qui même modèle de website là que pour aller utiliser, ou besoin qu'on ait ça tout, qui forme ou besoin website là et gain qui gens besoin sembler à qui ça ou ta remet en que website ou en lui même lui sembler qui côte ou voulez aller avec website fin. So tout ça au besoin make sure que ou planifier avant même que commence website là, une façon pour les arriver dans commencement côte ou pral design ou pral développer website là pour pas gagner trop empêchement sur route ou qui capable permettre que vous perdiez plus temps en créer un website. Pour moi-même, le plus souvent, les maps créer un website, il pas prendre plus que deux jours.
OK. Il toujours prend des fois compte même faire dans un seul jour parce que majorité website yo c'est des bagages qui déjà fait, c'est juste remplacer, retirer, remplacer. Mais gen moun tout ça qui arrive que li prend plus temps tout surtout là a utiliser un modèle pour ou a design propre modèle pour et li capable prendre plus temps. Bon, en gros je pense que planification c'est un premier bagage que on a besoin pour nous faire surtout les web gagner pour un design yon website. Alright, planification est vraiment important. Right? Domain name. So après au fin fait compte planification ou gain tout à fait planifié déjà. Qu'on y a là au besoin gagner yon nom pour website là. Et nom en tout li ka rentrer dans planification parce que l'op planifier tout, ou besoin qu'on ait non website, ou besoin qu'on ait produit que vous pral vendre, ou besoin qu'on ait qui personnage que vous pral créer pour website ça, et puis une fois que vous avez tout le bagage ça, qu'on a choisi non website. Yon domain name, c'est clé succès yon website. Ok? Ça veut dire, domain name ça que vous pral utiliser, c'est lui-même qui clé succès website ou c'est lui-même qui a fait website ou réussi, c'est lui-même tout qui a fait website ou échoué. Si ou pas créé, pas prendre sang pour te planifier et puis pour créer un domaine même qui capable en vle di yon bagay pour yon moun, right? Et même j'en capable di gen de moun qui tellement pas planifié yon website et puis li créer website là yon nom. Li gen doit ba website là non pal. Et puis là aller sur website là ou pas ou rien qui gagne rapport avec produit par là-dedans ou est son paquet de bon produit Louis Vuitton et Michael Kors un paquet de bon bagage chita y a bon brand qui capable causer de très grand dommage à business yo parce que là bon faux brand ça yo le plus souvent yo pas original vrai yo relé yo comme on était capable dire yo connon yo relé yo oui me pas songe non hein? Mais yo pas original vraiment vrai c'est bagay ou ka joine contact moun nan Alibaba et puis yo just créer brand sa yo pour alright so ou pas besoin gagner yon bagay comme ça si ou après le yon website non ou bien yon nom composé que ou balé ou supposé vendre produit pa ou la dan mais si son general store ou bien yon un website que ou créer pour vendre plusieurs produits ou capable aller sur un link ça m'te montrer nous comment que ou capable créer yon logo et comment que vous capable joindre non inspiration pour non website ou capable aller sur vidéo ça garder li et puis ou aller sur website que nous montrer ou là dedans et puis ou capable joindre inspiration ou créer un nom et puis ou vendre plusieurs produits là dedans à noter li totalement recommandé que ou vendre produit qui pas gain brand laisse ça website ou capable garantir ou joindre succès là dedans mais pour nan vendre produit Louis Vuitton ou nan vendre produit qui gain brand là dedans yo ou risque échouer et ou risque même arriver sous yo ka sous OK yo ka faut payer amende peut-être ça si ou arriver vendre brand non yo. Premièrement ou vendre brand non yo an, et deuxièmement produit que brand non yo là dedans li pas original c'est pas dans sous yo que ou t'ai acheté OK ça veut dire grand pic gen même prison nan bagage ça alors li pas recommandé OK so yon domain name c'est clé succès website ou kit li te yon business yon blog ou bien yon website personnel. OK? C'est yon nom qui pral représenter identité website ou. Yon domain name pa jan mache sans yon logo. Right? Ou elle est bien clair là. OK, ça veut dire domain name nan c'est lui-même qui pral représenter identité website ou. C'est toi comme te ka dou son artiste ou ap créé un personnage et personnage ça que ou créé à tête ou c'est lui-même qui représente identité ou ça veut dire l'op performer et œuvre dans ça c'est personnage là qui paraît c'est personnage là moun yo apprécié mais les personnages sans pas performer et ben c'est moun personnel là qui paraît et ben c'est ou même qui businessman là c'est ou derrière business là c'est ou même qui parle by website ou yon caractéristique yon personnage yon identité OK et toujours songer ça tout yon domain name pa jan marcher sans logo si n'a regardé Amazon si n'a regardé eBay si n'a regardé quel que soit business là Louis Vuitton Michael Kors ou après tout marcher avec yon logo et non seulement le marcher avec yon logo même couleur yo son brand que lié tout texte que a utilisé à son brand que lié tout. Alors m'a venir en vidéo qui capable expliquer plus sur ça et n'a parti pour plus devant. Alors pour domain name nan, ou capable choisir yon domain name. Li capable yon nom composé, li capable
lié à produit que vous vendre. Par exemple, si vous avez un produit PAM que vous vendre, vous devez relever Patrice Collection, vous devez relever et nom et puis mettre une série de bagages derrière. Ça veut dire que vous prenez un website sans, c'est produit Patrice seulement qui l'a dedans. Mais si son General Store ou bien son produit que ma vente sorti dans Alibaba, sorti dans AliExpress ou bien dans l'autre agent yo, on capable bal n'importe l'autre nom. OK? On capable bal n'importe l'autre nom. À noter que on pas gain droit vendre produit qui gain brand là-dedans. All right? So, yon domain name, lo gagne yon domain name, ou besoin gagne ça relé yon hosting pour capable connecter website là. Par exemple, si moi le et domain name business moyen patricecollection.com. OK, moi le patricecollection.com, m'aller dans Google, m'aller dans Bluehost, dans hosting company nan m'acheter domain name nan, right? Mais pour m'acheter domain name nan, pour le cas pour moun capable joindre ni, faut li connecter dans un hosting et puis hosting nan voye live, ça veut dire si moun en Afrique li capable aller li joindre website là depuis taper Patrice Collection la joindre ni, et ben c'est grâce à hosting ça qui permet que domain name nan lui-même li connecté. All right? Website hosting, j'en kon te expliquer li, c'est un système qui permet ou connecter website là. Lem gen patricecollection.com nan, tout autant pou ko mete an dan yon hosting, website là li pa live. OK? Website là rete pour moi seulement, mais li pa live. OK? Mais le ou gen yon hosting compagnie ou connecté là dan ni, website là li même li capable live à tout le monde. OK, yon host c'est un système qui permet website ou en connecté. C'est là dans tout fichier website là chita, ça veut dire toute data website là, page yo, photo yo, tout ça que vous mettez dans website là, c'est en dans hosting là yo chita personnellement. OK, grâce à host là, n'importe moun nan n'importe côté dans monde là capable joindre website ou en le taper domain name là. OK, ça veut dire nan avec host, grâce avec hosting nan n'importe côté moun nan ye a, moun capable taper website là et la capable joindre website là. Et domain name que nous compagnie que nous recommander li rele Bluehost, et m'pral expliquer nous qui avantage qui gagne nan Bluehost là. Ouais, premièrement Bluehost là li commencé à $2.95 par mois. All right, so si vous avez besoin de créer un website et puis vous avez un low budget, vous êtes capable de commencer à $2.95 par mois. All right? On nous clique sur Host Your Site. Automatiquement, là-bas, pour comparer plan. Je garantis que plan basic, c'est lui seulement au besoin. Et même là où vous avez mettre un website seulement, je vais vous montrer comment capable utiliser lui pour mettre multiple website, même gens que m'gagne en dans hosting pam nan, parce que c'est plan basic la m'gagne et la dan m'gagne n'importe 7 à 10 website la dan. All right, so avantage qui gagne dans Bluehost c'est que li ba ou 50 gigabyte storage. Ça veut dire yon website m'pa jam kwè li dépasse à 50 gigabyte storage si c'est pas yon heavy website que ou pral créer. Mais par exemple pour dropshipping website, m toujours créer dropshipping website yo, pas plus que 5 produits, parce que m toujours tester 5 produits par semaine. M tester 5 produits sa semaine ça, moi elle pas marché, m retirer yo, mettons l'autre 5 produits là-dedans. Ou pas besoin website qui gagne plus produits si ou a fait dropshipping. Mais si c'est website pas que ou a fait ou gagne produit pas, ça qu'arrive que ou utiliser plus que 50 GB storage. Et m'a montre tout malgré que t'a gagné en pile produit que ou a utilisé, comment que vous capable minimiser qualité image ça yo, poids image ça yo, pour capable chita en dans 50 GB. Parce que si vous pouvez utiliser des images qui vraiment lourd, vous pouvez utiliser vidéo en dans website ça, c'est sûr certain li pas capable chita en dans 50 GB. Ça va besoin gagner deuxième plan ça qui c'est unlimited storage. Alright, si toutefois qu'on a un go website, ou capable aller pour plan unlimited storage ça. Mais pour le moment, c'est plan ça seulement ou besoin la dan. OK? And then ça que moi maintenant Bluehost encore, c'est que yo ba ou malgré gen basic plan, n'importe l'heure rele ou 24/7 ou joine yo répond nou, yo capable aider ou avec
problème que website ou en li gagne. Et en plus, yo ba ou WordPress intégration là-dedans, drag and drop et tout template yo gratis là-dedans ni et li gagne free domain name pour première année. Alors ça c'est un avantage que nous pral perdu, m capable dire parce que nous pral acheter domaine name nan dehors en dehors de Bluehost parce que en dans Bluehost domaine name nan ka vraiment vraiment cher. Mais nous pral font test quand même pour nous ouais et m pral montrer comment que capable acheter domaine name nan et puis ou juste utiliser Bluehost comme hosting compagnie et même genre li différent avec Shopify. Pour Shopify genre comme te dit tout à l'heure, soit utiliser plusieurs websites ou besoin gagner plusieurs et account plusieurs comptes Shopify. Mais en dans Bluehost, vous besoin gagner un seul hosting et en dans hosting ça capable de mettre des multiples websites en dans. Alright? Et puis li gagner free CDN là-dedans. CDN signifie Content Delivery Network. Et en plus li gagner free SSL certificate. Ça veut dire SSL là son système qui permet que website soit capable de sécuriser. Alright? Là aller dans petite tête là où on ti mon petit cadenas, l'aime cliquer dans petit cadenas, il dit connection is secure. All right, ça veut dire que dans website ça depuis un client aller li wè connection pas secure, ou après marquer connection is not secure si ou pas gagne SSL là. C'est sûr certain, toute information crédit carte que moun nan pral entrer dans website sans ça veut dire website et information ça yo visible à tout monde capable wè. Mais les li marquer connection is secure ou gen SSL là-dedans, ça veut dire que si on mon entre crédit carte information li toute information ça yo encrypted, ça veut dire yo sécurisé yo totalement rété et comme tu es capable dire secure avec client seulement. All right, so c'est plan ça nous pour aller pour nous enregistrer. So étant donné que me gagne un hosting compagnie déjà, me pas prendre plan, même à montrer ou même comment que vous capable utiliser plan ça. Alright, so là cliquez sur basic plan, li ba ou côté que vous capable setup domain name. Là si nous dit domain name que nous pourrions choisir, on peut lire les modern curate.com. Alright. Si toutefois pas qu'on ait domaine disponible, on peut cliquer sur I'll create my domain later. Then fait next. Alright. Il dit moderncurate.com li available. Right? Bon, nous pouvons connaître combien quoi li pral coûter. Li ka free parce que c'est la donne que nous pral comment on est capable dire créer website là. Cause premier plan te dit ou a gagner free domain name for the first year. All right, so là ou a rentrer information ou a rentrer nom, prénom, business name ou on capable mettre les optional comme tu es capable dire son option li pas forcément obligatoire et ou a mettre country ou a rentrer adresse ou a rentrer state ou a rentrer téléphone ou email adresse ou côté a boyer reçu en bas ou. All right, on va choisir basic pour 12 mois. Voilà, pour 12 mois seulement, pour 1 an, pour font test pour 1 an. Ouais, primary domain registration free. Ça veut dire pas payer pour ou pas bien pour payer pour registration ça. All right? So, qui ça va bien pour besoin nan website ça. Nous ka wè total prix à la li vin nou $119. Pas fatigo. Ou pas pral payer et prix ça vrai. Ou besoin gagner domain privacy protection. Tout ça c'est extra package que lié. Ou ka retirer ou ka quitter le souvle. Mais ou besoin gagner domain privacy. Domain privacy qui ça le fait, il permet que tout ça que vous fait en dans website là, yo pas visible à n'importe monde qui monte sur web là. Par exemple, nous connaît actuellement là gagne pile monde qui hack website monde. Gagne pile hacker dans web dans monde là. Alright, yo chita tout côté. Yo juste monter sur website tout et puis depuis website tout pas gain privacy, yo voye virus là-dedans, yo cherche hack li et puis yo log out et puis vinn pas gain accès avec website ça et puis yo même yo prend website là, yo fait ça ou play avec. Sou te gain crédit carte information là-dedans, yo gain accès avec yo prend. So, li totalement recommandé que yo gagne domain privacy ça. Domain privacy ça li permet que Bluehost li même, ouais, li permet que Bluehost li même li
protéger personnel contact information ou yo from hackers, spammers et puis tout le monde qui est capable d'attaquer website ou right? So li vraiment important que vous gagnez domaine privacy ça. Code garde basic là ou pas besoin ni parce que code garde basic là c'est pour backup. Right? Daily backup. M'bran moto comment capable utiliser un free en application ou mettre dans dans website là et puis ou capable backup website ou. So nous retirer plan ça. Siteblock security. Siteblock security ya ou pas besoin de tout parce que Siteblock là qui ça lui permet de faire c'est que si vous transférez website là à un autre hosting li lock website là pour ça veut dire si on mon aller dans hosting par l'état taper website ou et puis Siteblock là automatiquement li lock website là et puis il dit mon là au besoin gagner tel code pour capable et prendre website sans voyer l'emport là. Right, but moi même le plus souvent pas pour mon pas j'en bail comme ça et puis c'est dropshipping website, on toujours utiliser website ça pour tester produit, on pas j'en prend Siteblock ça. So en total, li sorti de 119, li descend à $47.28. So ça veut dire pour hosting ça seulement, on a besoin payer $47.28 par année. Pour hosting seulement et en dans hosting ça ou gagnez free un primary domain registration ça veut dire modern current ça si m'a prendre dans Bluehost m'a gagné pour me payer m'a pas gagné pour me payer yon goud là-dedans et m'a seulement payer $47.28 all right si vous d'accord avec $47.28 là on trouve que $47.28 là pas trop ou aller ou entrer crédit carte information ou et puis vous cliquez sur un petit bouton ça et puis vous cliquez submit. Alright, automatiquement vous cliquez submit la mener ou dans Bluehost account. Ou. So, on va le montrer nous en dans Bluehost account moyen qui j'en ai. Alright, so ça c'est en dans hosting dans l'offin créé. Le primary website là ou après le plus souvent li paraît là. Va montrer nous valeur domaine que moi gagné en dans website ça. All right, ça c'est domaine name moi yo. Mais tout ça yo c'est le domaine name que moi gagné en dans website là. C'est ça seulement qui primary. Ouais, tout l'autre ça yo c'est add-on que yo y. Ouais. Elle dit me prend yo m'acheter yo en dehors et puis mettre yo en dans hosting ça comme website. All right? So kounya là nous pral aller nous pral créer nous pral derrière domaine name ça nan Google domain. All right, bon tourner derrière net pour nous. On pral aller sur google.com ou taper Google domain. Voilà. Donc, so, là cliquer sur Google domain, li ba au côté que capable choisir un domain name. Mais à noter que l'offre dans Google domain, nous juste utiliser Google domain pour nous capable acheter website là parce que li vend plus bon marché. Mais dans Bluehost, si m'acheter ça la gratis pour première année, mais l'autre année l'offre pral renouveler li, li gen doit vin nous n'importe $30 même. Parce que yo pral charge pour SSL certificate là, il était ba gratis là. Et en plus, je prends le charge pour le domaine que vous avez au gratis. Ça, vous avez n'importe $30. Mais soit acheter le nom Google, par exemple, je tape le website là. Curate. C'est Modern Curate. Modern Curate. Voilà, ouais. Li dim modern curate là, li existe là. Combien comme appel? $12 par année seulement. Ça veut dire qu'on y a là, sou gen hosting compagnon qui $45 et puis qu'on y a gagné domaine name nan ki wap paye $12 par année. Ouais, li vin nou $60 comme ça. $67 comme ça. Mais si ou te prend nan Bluehost, right? Première année, elle tape $47 seulement. Mais next année, l'autre année qui va venir, il doit venir presque $80. Parce que tu as pas le charge n'importe $30 pour
domain name ça. Mais dans Google, il était $12, chaque année on renouvelé li à $12. Et hosting nan, il était $45, chaque année on renouvelé li $45. All right? So, c'est domain name ça que moi pour l'acheter jodi. All right, m'ajoute le sous carte. Moi ça m'a pas besoin de domain name ça. On quitte le. Voilà. Ouais, c'est $12 seulement. Ou pas besoin rien encore. Quitte privacy protection is on. Ouais, privacy protection elle était free dans Google. Free forever. All right? And then la renouveler, il a pour renouveler juste 16 février. All right? Juste 16 mars. All right? Non. Oui, 16 février 2022 parce que c'est l'autre année. Ouais, là bien pour renouveler 16 février 2022. Je dis à 16 février 2022. Là bien pour renouveler 16 février 2023. All right, ou pas besoin Google Space rien parce que c'est pas dans Google ou à créer, on fait check out. On va cacher information ça parce que il y a rapport à crédit carte information et puis adresse moi et puis là on va cliquer sur buy. All right. So automatiquement, ou acheter domain nan, li vini nan Google domain. Koun ya ou gagnen domain nan ki nan Google domain et koun ya la ou pral pran domain name sa ou pral voye li nan hosting compagnie. Ou pral fè compagnie host li pou ou seulement. All right? So koun ya la, m'ap kopye domain name sa. Right? Make sure m'kopye li. Nous pas pral build website là nan Google. All right, nous pas pral faire rien encore, nous juste choisir Google pour capable payer $12 seulement. All right. Avant même que qu'on y a connecté nan hosting nan qu'on y a là, ou besoin ça y aurait les name server. Parce que nan Bluehost, gen ça aurait les name server pour capable connecter website là. Si nan aller nan DNS là nan domain name nan, ouais, li gagnen yon lot name server, li gagnen yon différent name server. Ouais, li gagnen pa Google la dan. So c'est li même nous pral gagnen pour nous changer et nous pral gagnen pour nous remplacer DNS ça nous pral mettre propre DNS pan. All right? So nous pral aller sur Google encore. Taper Bluehost name server. Voilà. C'est toujours NS1 bluehost.com et puis IPN c'est ça que nous gardons là. Et puis deuxième là c'est NS2.com et puis IPN c'est ça que nous gardons là. N'a copier li parce que c'est toujours même bagaille là, n'a copier ça seulement. N'a juste remplacer 2A par la suite. Kounye la ou pral ale nan Bluehost ou ap clique sou assign a domain. Ou pral ale dan account Bluehost ou nan pati domain nan, ou ap clique sou domain et pou ap clique sou assign. Automatiquement la ba ou kote ki ou kapab assigner yon domain name, ou ap choisi use a domain name that is not already associated with your account. Right? Ou ap clique ou ap clique domain name là c'est modern curate.com. Il faut aller assurer que ou t'es changé name server là qu'on a non pas aller dans un name server nous pas changer nous pas aller dans DNS right. Cliquez sur Custom Name Server. Vous faites Yes, Leave Page. Et puis là, vous rentrez, vous mettez Name Server Bluehost. Vous copiez-le et vous pestez-le là. L'autre là, c'est NS2. Je n'ai pas besoin de copier-le. Je vais juste aller là, je peste maintenant et puis je change. Et puis je fais Save. Voilà. Il dit Name Server à lui-même automatiquement, il save. Quand il y a là, l'aime cliquer et website là ouais ça Bluehost dit li dit pour capable vérifier que c'est moi qui
qui met domaine name ça, il dit moi rentrer name server ça yo dans DNS website là. Et ben c'est lui même nous saute faire là, nous rentrer, nous cliquer sur custom name server et puis nous rentrer lui. Ouais lui, mais yo là chita. OK? So on va aller pour nous hein. On a là ou quitter sous add-on. Right? Ou pas mettre sous park domain ou quitter sous comme add-on parce que si n'a ajouté lui comme add-on. Et puis automatiquement l'a créé un directory pour qui relé modern curate. Ça veut dire tout fichier ou pas gagner pour créer pour website sans la chita en dans un public.html ça qui c'est modern curate. Vous faites assign this domain. Et puis automatiquement l'a chercher est-ce que domain là li déjà la donné. Automatiquement li live l'a dit que domaine ou en li assign already. N'a font titan. Voilà. Automatiquement li fin vérifier domaine name là. Ouais, il paraît et puis kounya la li ba ou domaine name là. Kounya sina le na my domains. N'a descend en bas. Voilà, mais domain name là. Ça veut dire kounya la automatiquement si m'aller cliquer par exemple si m'aller sur Google moi taper nom domain name ça li get en live ouais li get en live là ou après li marqué not secure your connection to this site is not secure. Ça dit c'est ça m'ta expliquer nous tout à l'heure automatiquement domain en live mais nous pas le faire secure ou pas besoin fatigo. All right, so website en live. All right, kounya nous pral parti pour développement website là, développement à design website là. Gagne deux types de développement que nous capable utiliser pour capable construire un website. Et ça relé développement PHP. Développement PHP hein, li yore le li PHP qui veut dire hypertext preprocessor. OK? C'est un hypertext préprocesseur. Ça veut dire son côté que vous avez gagné pour design website là avec code et vous avez gagné pour essayer li avant même que vous voyez live. Right? Le plus souvent, PHP, il utilise HTML, CSS, JavaScript, XML, un paquet d'autres bagailles là-dedans. Right? Développement PHP. PHP hypertext préprocesseur, c'est un système qui permet de développer et puis design website tout à travers HTML, CSS, JavaScript, XML, etc. Pour utiliser le système ça, ou besoin de gagner un maximum de connaissances dans le coding tant que HTML avec CMS, CSS ou bien XML. OK? Nous même nous pas utiliser ça parce que nous pas dans PHP là même. OK? Nous même c'est avec WordPress nous pas en affaire, c'est avec website builder. Yo relé ça website builder. C'est un tas d'applications qui gagne qu'on est capable juste et retirer, remplacer et puis mettre. All right, nous pas besoin ni apprendre coding ni CSS ni HTML. Ça c'est pour monde qui très développé dans en l'autre bagaille. Qu'on a de nos jours HTML, CSS, ça pas tellement à la mode parce que grand pile compagnie qui vini avec drag and drop builder website ça qui c'est une qui fait partie de WordPress que nous pas l'utiliser aujourd'hui. Développement WordPress, CMS, qui c'est Content Management System. C'est un système qui permet que vous développez et puis design website pour un plus rapide et plus facile. Right? Pour utiliser système ça, vous pas besoin de gagner aucune connaissance dans le coding du tout. Vous pas besoin de gagner aucune connaissance dans le coding parce que tout ça, vous pouvez le faire, c'est retirer et puis remplacer. Et bien, c'est ça nous pouvons gagner pour nous. Fait là jodi à là nous va gagner pour nous ouais comment capable installer website là comment que capable éditer website là modifier website là ajouter ça que vous voulez ajouter photo ajouter image mettre système processeur paiement yo. OK, tout bagage ça nous va gagner pour nous montrer aujourd'hui. All right, pour qui ça c'est WordPress même. WordPress c'est un système qui permet de développer et puis design website ou plus rapide et plus facile sans que ou pas besoin de gagner aucune connaissance dans coding. All right,
La dan, en dan WordPress ça, gagner yon archive côté que ou capable choisir thème ak application pour website ou. À noter, majorité thème ak application ça yo gratis pour utiliser. OK? So, nous pral installer WordPress kounya la en dan Bluehost account nous. Jan que nous sommes tout à l'heure, nous gagner Modern Create là qui déjà disponible pour nous. Right? Et bien, nous pral installer un domaine name ça, nous pral installer WordPress là en dan domaine name ça. All right, nous pral aller en l'air là dans my site. On clique sur my site. En l'air à droite, on pral marquer create site. On clique sur lui. Et puis il dit qui j'en voulais build WordPress website ou. Est-ce qu'on voulait choisir ça qui limité à, ou bien est-ce qu'on voulait choisir ça qui plus facile là et qui gagne intégration Bluehost là la donne ça ou pas besoin ça parce que il est totalement limité il gagne pile bagage qui pral mande code la donne mais ou besoin utiliser ça qui gagne Bluehost là qui intégré la donne pour être capable just draguer et puis drop ou faire start building. Et puis là l'abdou pour choisir domaine Nemo, on va aller juste en bas. Et puis souvent, on parle en ordre alphabétique. Moderncurate.com. Right? Et puis, je quitte le directorial parce que l'idée déjà créé le propre directorial pour moi. Je clique sur Next. Le temps pour le créer pour moi. All right. So, l'idée qui sa site moi en yé même. Qui sa m'bral faire avec site moi en. On me dit, m'bral gen pour me créer yon, comme étant donné son website que m'a gen pour me créer pour business, m'a capable mettre store. All right. M'a qui l'a online. Store. Voilà, je vais me faire continuer. Faire continuer. Là, je suis capable de faire le nom. Je vais le modern. Curate. Continue. Pas besoin de stock photo. All right. Pas besoin de bagage ça. Je vais faire continuer. Logo. Je peux créer logo à pour lui. Et n'a pas pour nous ça tout à l'heure. Continue. Demande pour me choisir quel type de texte que me pourrais utiliser dans website ça. So, m'tare me choisir. Étant donné que website là vient avec propre texte pâle, bon, je dois choisir n'importe même toujours utiliser Montserrat. Couleur website là, on besoin gagner un brand, une couleur qui capable représenter brand nous, nous capable choisir ça, ça pas mal. Continue. Ou choisir style website ou hein? So m'a besoin de style ça. Ouais, continue. Et puis là ou entre adresse ou souvle et puis nous pas besoin d'entrer tout bas ça pour qu'on y a. Fait finish. Et puis là automatiquement l'app créé website là pour. Voilà. So, kounya la fin créé le pour nous. Ouais, il créé avec toute pile vieux bagay sa yo qui déjà là disponible, un paquet pile plugin, un paquet bonne application qui pas même utile loin même, right? Il créé avec lui pour nous. Nous pas besoin tout bagay sa yo, right? Nous pas besoin youn nada, on va delete, on va effacer tout, gen quelques là dedans on a besoin. Mais on va le dire tout et puis on va montrer comment que on capable créer website là. So en gros ça c'est en dedans en website ou en. Nous capable voir dans tête là le marqué box. Ça qui fait le marqué box là, c'est parce que
li fait créer un website là en dans domaine là pour so là prend moi quoi 24 à 48 temps pour le paraître mais si m'aller là me refresh page là pense nous ka wè yon lot bagay li di automatiquement moderne yon lot website pral gen pou li paraît alright so koun ya la ou besoin que pour activer anti et SSL security ça ou pas besoin rien encore ou pral aller nan dashboard website là alright ou pral aller nan settings ou cliquer sur général right so parti ça là ou ap retire li ou ap mette modern create là alright so ou retire box ça pour delete li ou mette moderncurate.com et pour mette https ou prend ça tout ou fait même bagaille là ou copier ou mette même bagaille là et puis ou fait save automatiquement me fait save il prend log moi out parce que il pas reconnaître box ça encore c'est curate là il prend reconnaître on fait save change voilà ouais il log moi out il dit que il pas reconnaître en website ça et il pas privé kounya là ça me va le faire m'a close li me prend aller dans bluehost encore nous prend aller dans my site. OK. N'a cherché modern. N'a cliqué sur manage site. On va aller dans settings. All right. So, là, vous supposez assurer que vous gagnez link plan paraît là tout. So, si vous t'avez tant changé là avant, vous supposez ouais link plan en paraît là. Mais si vous pouvez changer le tout, vous supposez assurer que li paraît là. All right. Comme par défaut, il toujours mettre l'implant, surtout lors de changer dans setting là, automatiquement il supposé paraître là. Et puis là où gagne un terme, c'est tout plugin ça que vous pouvez pour utiliser. All right. Et si vous avez bien pour delete page website là puis devant, c'est là où capable delete tout. All right. So nous pour aller dans my site. N'a choisi website là, n'a cliqué sur manage site. Nous allons aller dans settings. All right. Par défaut, il automatiquement ajouté un website là pour avec HTTPS là qui gagne S là dedans. OK. Vous supposez assurer que il gagne là dedans là. En plus, vous pourrez aller dans performance cache settings, vous mettez sur e-commerce. Alright, sou vlo ka mette même URL là pour un website là. Et puis là on capable clear cache yo. Nous pral aller dans security. Pour SSL certificate là, on va pas assurer que ça li on. Par défaut toujours on. Ni ça tout enforce HTTPS là, li supposé on tout. Alright, automatiquement on fin faire tout ça yo, ou cliquer sur edit inside builder. Là, les nous refresh ça au capable ti SSL certificate là lui-même li paraît là. Li dit automatiquement que connexion nan li sécurisé. Elle dit qu'on est prêt pour utiliser website là. Mais qu'on y a là, ça c'est website que on gagne par défaut. Jean que m'te dit nous pas pour utiliser website ça parce que nous pas gagner pour nous créer un logo. Ouais. Nous pas tourner en dans website builder. Nous pral faire tout ça que nous gain pour nous faire. All right, so nous sommes installé WordPress. OK? So kounya là nous pral développer et puis mettre website là kounya là disponible pour moun capable vin acheter. On pral design website là, on pral développer website là, on pral créer logo, on pral mettre produit dans website là, tout bagay ça yo, on pral faire yo dans partie ça là. All right. So, avant même que ou design website, ou nous songeons en planification, nous te parlons besoin tout bagay sa yo disponible pour. All right. Mais avant même que kounya la ou capable design website là, il est toujours important que ou clean en the business ou. Et même gens l'ont pral rentrer dans kay ou clean website là, ou nettoyer website là, même gens l'ont pral créer un business ou
nettoyer en dans business là pour website en lui-même il capable belle ceci dehors belle faut qu'en dans lui-même il belle tout et ben nous pral clean tout bagage ça premièrement sous dashboard là moi toujours assurer que moi retirer tout ça que nous là all right actuellement là nous en dans web WordPress quittez moi faire un bref rappel pour nous de WordPress et expliquer nous qui ça WordPress c'est bien que m'a bien pour venir avec un autre vidéo de ça all right nous pral gagne pour nous update PHP en tout ça sont l'autre bagaille que n'a gagne pour nous faire dans l'autre vidéo tout qui ça qui WordPress là gens que nous te dit c'est une plateforme qui totalement gratis qui permet que vous créer website là dans sans que vous pas payer un goud et tout thème ça que nous pral gagne pour nous utiliser là dedans là yo gratis tout là dedans ça c'est dashboard là que vous est là là c'est WordPress que vous pral gagne pour edit ici n'a utiliser en Bluehost Builder. Là c'est tout bouton que ou gagnent qui disponible pour vous. Ouais, post c'est pour blog, média c'est pour image, page c'est pour page par exemple home ça c'est une page que lié. OK? About section dans son page, contact dans son page que lié en dedans dashboard ça. Ouais, comment ça c'est les customer qui te reviews, email marketing, theme, plugins et puis user et puis settings. Ouais. Avant même que moi créer website, toujours assurer que moi en nettoyer en dans website là. Moi toujours retirer tout bagage ça qui dans écran parce que moi pas pour mes besoin yo. Moi retirer yo. Ouais. M'assurer que dashboard là clean. Moi retirer ça yo, moi retirer ça. Et puis ça 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 c'est parce que li dim li te transféré li. Ouais. Ouais, li dit move your settings. So m'a sauté de ça, m'a mettre le dans ça. Got it. Now done. OK? So m toujours voulais pour dashboard moi rete clean. Jean ouais ça y a là, rien pas la donne clean. Alright. So, deuxième bagay que me fait mal dans post. Moi dit les tout post ça. Son paquet ban post par défaut. Me retirer yo, me cliquer sur trash. Mal dans trash kounya. Fait delete permanently. Fait même bagay là tout, mal dans média. OK, mais m'assure que m'pa gagne aucune image, vieille dans mes images. All right. M'aller dans page. Me delete tout ça. Move to trash. All right. On a m'aller dans trash. On fait même bagarre là tout, sélectionner tout et puis me clique sur book action delete permanently. On fait même bagarre là tout, m'aller dans comment. Pas dans comment, m'assurer que tout ça yo pas gagné là-dedans, m'aller dans appearance step by step. Jean que nous on fait là comme ça pour nous faire. All right, ça c'est primary en thème que moi utiliser à tout ça c'est l'autre roulis bien pour moi va dire les tout pas besoin on clique sur on fait delete clique sur ça delete clique sur ça delete voilà clean OK nous parler dans plugins qu'on y a. Sélectionnez tout. M'aller dans bulk action, fait désactiver. Sélectionnez tout encore. Moi fait delete. All right. So, m'aller dans user. M'assurer que c'est moi qui admin là.
là c'est si me besoin ajouter un autre monde capable ajouter un autre monde pour manager ça là ensemble avec mon capable connecter sur computer là ou capable bailler mon nom wall si son subscriber si son contributeur capable bailler si son auteur éditeur administrateur right so n'a pas pour nous faire une vidéo sur WordPress seulement et n'a montre tout bagaille ça ou pas aller dans tools là qu'on y a là ou pour aller dans site health pour assurer que website ou en li en santé si gagne quelque bagaille qui pas marcher la joli dans site health là all right so nous pour aller dans settings général là ou rentrer dans website là là ou mettez un tagline right? Et puis là ou https là ça c'est email ou le plus souvent li recommande que vous capable utiliser yon brand email. M'a montrer nous ça dans l'autre vidéo encore. Ou cliquez sur anyone can register, ça veut dire pour moun monter website là, la page tel capable tout enregistrer tout. Date yo normal pour time zone nan toujours besoin mettre sur New York. New York time zone. Right, format yo normal et puis pour faire save, change. Right. So, on l'autre bagay que ou gen pou fè la, ou pral ale nan permalink. Permalink lan li totalement important pou mete li. On prend par exemple, si m clique la sou call. Ou m te getan efface page yo. All right. Lo gade an lè la, li mako link lan et puis li mako page ID, un paquet point exclamation tout bagay. Mais ou besoin que li marque par exemple si m pral aller dans home page pour marquer link lan seulement ou bien si m pral aller dans about pour marquer link lan avec about link lan slash about. OK, nous ka wè plein nan c'est genre de link ça que la bombe li totalement difficile sur un website qui gagne link lan comme ça pour paraître dans search engine nan, qui c'est SEO. Après comme ça le mais ou besoin que li paraît link lan right avec nom page là derrière comme ça ou cliquez sur post name et pour faire save change that's it c'est ça seulement ou gain pour faire en dans WordPress website là so kounya là nous pral design website là OK. Pour design website là, ou besoin gagner thème qui importé avant tout. Si son blog que ou a créé ou capable importer thème là. Mais si c'est yon business ou a créé yon store, ou besoin importer en WooCommerce parce que WooCommerce c'est ça qui pral ba ou habilité pour capable créer store là pour moun capable faire paiement sous store là. On va aller dans plugins, on fait add new. Ou pa ale nan search lan la, ou ap tape WooCommerce. Voilà, ça c'est WooCommerce an que nous pral gagner pour nous en utiliser. All right? Cliquez sur install. Cliquez sur activer. Voilà. Automatiquement, li men on en page côté que capable configurer ou commerce. Ça là c'est là on va rentrer adresse ou make sure que on mette adresse business là, pays côté business là à performer en city, zip code et puis email adresse ou. OK. On pas besoin checkbox ça. Allez pour plein avec email. Et pour capable cliquer sur continue. Lorsqu'il entre toute information ça ou après petit bouton accessible pour capable cliquer sur continue. All right. United States.
email là me quitte normalement, me décoche tes cases ça et puis cliquer là sur continue. Il m'a dit est-ce qu'elle me voulait compter, non pas besoin ça, no thanks. Ouais, il dit dans quelle industrie que store là lui-même l'a opéré. Nous la mettez fashion si c'est pour store, si c'est pour beauty, ou mettez health and beauty. Ou mettez ça qui lié à catégorie là. Sous page une catégorie pour là, ou cliquez sur order et puis là ou entre catégorie pour là. OK, so on quitte sur fashion and apparel. Ou dit que ou qui demande quel type de produit ou a vendre. Est-ce que c'est produit ou ka download, est-ce que c'est subscription plan, est-ce que c'est membership ou cliquez sur physical product. Continue. Combien de produits vous avez gagné dans le website? Vous mettez de 1 à 10, vous pas gagné plus que 10, vous mettez 11 à 100, vous pas gagné plus que 100, vous mettez de 100 à 1000, vous pas gagné plus que 1000, vous mettez sur 1 à 10 le plus souvent. Donc, est-ce que ce store-là a vendu de l'autre côté déjà? Si c'est un store, vous mettez non. Si c'est une autre plateforme, vous mettez yes, non, l'autre plateforme. Vous mettez sur non. Dites-moi, est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est pour un client qui a créé ce store-là? Non, c'est pour moi qui a créé, je ne pas acheter. Hein. Fait continue. Right? Par défaut, toujours mettez ça qui vous recommandez. Hein? Nous pas besoin de nous dans ça. Nous pas besoin de crédit 4 ça que vous commencez à bailler là, mais nous avons besoin de shipping les bois. Hein? Nous avons besoin que vous créez taxes pour nous. Nous avons besoin que vous activez speed là pour nous tout. Nous pas besoin de bailler marketing ça. Et pour faire continue. Ça ouais? Seulement vous avez besoin. C'est marcher sur ça pour suivre pour capable. Gain website to successful. Ça continue. Voilà. Demande pour choisir un thème. Nous pourquoi besoin de thème ça parce que il y a un thème ça qui est actif. Nous allons changer le pied devant. Tout thème ça yo gratis, yo free. Sauf que gain là dedans yo qui paye. Mais puis faut là dedans yo free. Nous pas besoin yon là dedans yo même le remarquer pour payer. Nous allons utiliser free theme. Nous descendons juste en bas pour faire skip this step. Ça est offre tout. Et puis la configurer en WooCommerce là pour vous. Voilà. Automatiquement, vous gagnez WooCommerce qui est activé. So, c'est dans dashboard WooCommerce là qu'on y a noué là qu'on y a. Au cas par bref, liba ou yon bref overview de quantité quoi vous avez pour faire. Nous pas besoin ça. Mais l'idée ou mais qui sont gain pour faire yo et tap ou gain pour passer yo et c'est là où gain pour ouais quantité quoi quantité celle que vous faites par jour, par semaine, par mois. Alright. So. Nous prenons le design. Regardez à gauche là, qu'on y a là, on vient voir côté qui marque products là. Alright? Avant même que vous ajoutez produit, faut que vous design website. Pas oublier website là, il toujours été avec même boring quand t'es capable de dire même vieux thème ça. Et nous besoin de gagner un vrai thème pour être capable de créer un website là. Alright? Nous prenons sous link ça que moi mettez dans description qui en bas vidéo ça automatiquement la mené sous page ça. So l'arrivé sous page ça c'est un website li rele Astra. C'est un website qui ba ou accès que ou capable utiliser en pile nan thème yo gratis sans que ou pa paye un goud. Mais si toutefois ou ta besoin utiliser pro capable aller pour pro. Mais nous même j'ai que me te dit non c'est free website que nous pral utiliser. Ou cliquer sous starter template. Après tout template qui existait dans archive website ça tout ça yo en pile nan yo là d'ailleurs gratis ça gratis ça nous qui marqué premium dans la dedans c'est eux même qui paye donc store ça li gratis free ou ka utiliser li gratis li tout fait il y a tout bagaille là dedans pour ou capable aller dans onglet ça choisir ça qui free yo seulement la retirer ça qui premium yo et puis ou choisir thème qui important pour vous même. Alright? So, vous allez dans download ou cliquez sur download. Jean que nous te dit, nous pas utiliser Pro. Pro version 1, li kan $9 par année. Par année. Mais si vous voulez acheter pour lifetime, vous avez juste payé 239 et pour gagner tout ça, yo, lifetime. Ok? Mais par année, vous pouvez payer $49 par année. Et puis, li gagne
pi fò bagay yo la dan ni, alright? OK? Pi fò bagay yo, men nou pa bezwen plan pou a, nou bezwen free version. OK? Ou pralè la, ou descend can decide which plan is right for me, ou download free. Et puis là ou ap antre email ou Patrice. Et puis ou antre nom, là ou ap antre email ou. On met en fait email là. Fait subscribe and download. Voilà, automatiquement l'app download folder pour vous faire save. Kounya, ou pralé nan dashboard website ou an, ou pralé nan appearance, et ou pralé nan teams. Ouais, ou clique sou add new. Ou clique sou upload, choose file. Ou choisi fichier que thème nan la dan nan. Astra, install, et puis là, installe thème nan pou. Ou fait activer. OK, ça qu'on a vint tourner deuxième là, n'a cliquer sur lui, nous delete lui, nous pas besoin encore. All right. So, voilà, si n'a les qu'on a là dans website là, nous refresh page là. On prend bon l'autre look. OK, il semblait un autre bagaille qu'on a là au cas ouais, semble un bagaille cap travail là dans cap clean, ouais cart là get en paraît, check out, account shop tout get en paraît. Alright, so kounya la nou pral design li pou nou fè sanble ak yon website. OK, nou pral ale nan dashboard nou. Alright. Nou pral ale nan a gauche nan la kounya la, nan pati sa ki manke Astra options, nan klike la dan ni. Alright. Li ba ou tout option sa yo. Ou gen pou aktive tout parti sa yo net avant même que ou kapab e choisi un website ou. Clique sur activer. Ainsi de suite. La pa aktive yo pou. Voilà. So, kounya la, an lè a droite lan, ou pral installer thème nan kounya la. OK, ou pral installer thème nan. Sou te gon thème ki deja existe, ou kapab importer la, et lò fin installer thème sa, ou kapab exporter li pou backup li, pou gen comme backup. Kounya nou pral installer thème nan. Ou clique sou install importer plugin. Alright. So kounya la men on a dashboard sa, clique sou build your website now. Page builder ke nou pral utiliser a li rele Elementor. Suppose je choisis Elementor. Malgré pour me faire une vidéo totale complète pour nous dans Elementor, son powerful plugin lié pour moi même c'est deuxième. Il y a un premier que m'utiliser mais Elementor c'est deuxième. All right, automatiquement il paraît archive yo pour. C'est là on va choisir thème que on va mettre pour un website ou. Toujours aimer aller pour e-commerce, pour shop ou bien clothing store. Pour capable bon tout e-commerce yo. Voilà, nous choisissons online store. So nous pouvons choisir thème que nous avons utilisé. Les gens que nous t'avons là avant, c'est thème ça que nous pouvons utiliser. OK? Ça est premium, free. Son thème free que lui. Ouais, ça est pour beauty. Voilà. Mais thème que nous pouvons utiliser à lui. Totalement free. On clique sur lui. Là, il prend le mandat pour mettre le logo. Nous allons mettre le logo à Pita. On fait skip and continue. Le mandat
qui couleur website on peut aller. Nous ca choisir quitter la même couleur ça parce que sont très très belles couleurs, mais comme ça tout nous ca choisir couleur ça. Nous te prend avant automatiquement après il changer couleur tout pour le choisir couleur vous voulez la choix après tout activer couleur pour. OK? Hein? En passant de ça, ça a belle tour. Bon, on quitte le par défaut. Texte là, c'est Montserrat. Continue. Là, on entre nom. On mette email ou. Sous son beginner, on mette au beginner. Sous son intermédiaire, on quitte l'intermédiaire. Moi, on quitte le sous intermédiaire ou bien expert. For myself. I agree. On va besoin de newsletters. On fait submit and build my website. Automatiquement, nous tenons et puis la build website là pour nous. On va speed en partie ça pour nous capable aller dans l'autre option. Voilà. Congratulations, website ou fini. OK? So, kun ya la sinale na website lan nou refreshly. And voilà. Voilà ma gloire. OK? Li paraît avec toute catégorie yo créé pour ou, tout bouton yo créé pour ou, logo an créé pour ou, et puis produit yo créé pour tout bagay net tout fait pour celle soit gain pour faire ou juste besoin drag and drop retirer remplacer. OK, about me en créé pour ouais nous kawel là collections yo créé pour ça c'est accessories voilà ouais collections. Voilà. All right. So kounya la si m'ta besoin faire quelques ajustements nan website ça. OK, on nous sorti nan pa ça. Already did. Je kem tou di nou m'pa besoin rien nan dashboard mwen apparaît. Toujours dit les qui ont pas besoin de ça. Ouais. So, on a là si besoin faire modification en ce qui a trait avec couleur, logo, tout bagage ça, on t'a besoin mettre logo par moi là-dedans. Qui j'en capable faire ça? Nous parler dans appearance, customize. Regardez bien, oui. Il y a deux façons capables de modifier les bagailles. Ils sont chaque différent. OK? Ça, c'est pour modifier l'aspect website. Là. Pas page. Page pas la donne. C'est seulement l'aspect website. Là, en termes de couleur, pied, bouton et placement bouton, ça, yo, menu, tout ça, yo, c'est dans customize. Là, où aller. OK? Ouais, on va aller dans global. Typographie, c'est pour texte. Color c'est pour couleur, container c'est pour aspect, et puis bouton c'est pour bouton yo. Ouais, mais là over sur chaque partie ça entité ça ouel bon petit et petit crayon. Là cliquer dans petit crayon là mène directement côté que capable changer ça ouvler. Par exemple tête là c'est HTML ça, HTML 1 ça. Même cliquer dans ça li ban moins HTML là box là. Mais l'aime cliquer dans petit crayon ça là tout, il ban moi texte pour capable changer. Là on doit ajouter hat cell. Juste mettre en bas comme ça. On va monter. OK, automatiquement on va apparaître dans tête là. All right. So, de même tout, si m'vle retirer li, m'ka juste prendre m draguer li ou bien m'cliquer li, m'ka draguer le mettre l'autre côté m'vle.
pour faire assurer que li capable fit dans mobo n'a quitter là en attendant mais si m'pa vle le tour ka just cliquer et puis me retirer li OK et puis automatiquement après li sorti mais si m'besoin le back m'clique sur petit plus là et puis m'ajouter html1 All right. So, primary menu c'est menu ça. La dan capable cliquer dans chaque petit bouton yo. Et puis me modifier ça, m'gen pour modifier. Ça c'est pour box là, ça c'est pour chaque grain bouton menu ça. L'aime cliquer configure menu. On capable choisir si c'est primary am blé, si c'est footer am blé. Mettez footer. OK. Ou capable edit li tout si vous voulez. Ou retire un peu, si il y a trop la dan, ou retire un peu. Ouais, ou ka juste cliquer la dan, et pour faire remove, retire top la. Footer la, m'a besoin de tout, m'retire li. Dress la, m'a besoin de tout, m'retire li. Hein, m'quitte le comme ça, et puis m'fait publish. Ou suppose publier pour capable. Paraît live. Si vous pas publié li, automatiquement vous avez perdu ça que fait déjà. OK? Quand allez cliquer dans home, supposez que vous avez l'autre look. Alright? So, là, vous capable choisir location. Vous voulez lancer là où éditer tout bouton ça. OK, j'en que m'te dit non. Si vous voulez changer bouton ça, vous cliquez sur petit crayon. Hein? Et puis vous choisir Instagram. Si vous voulez ajouter un l'autre, vous devez choisir dans partie ça et puis mettez Telegram et puis me fait add social et puis me cliquer sur lui moi rentrer link pour Telegram moi voilà ou cap mettre plusieurs links que vous voulez si vous voulez mettre téléphone ou cap mettre numéro téléphone add social fait plus 509 plus 1, 3, 47, 4, 9, 5, 58. Voilà. Et toujours son j'ai fait publish. Alright. Donc on a la mou fresh ça, il suppose paraître en l'air là. Ou pas besoin de trop boutons, mais si pas besoin de tout, juste cliquer là-dedans pour retirer tout. OK, ouais, tout qui est en paraît là. All right, so ça c'était pour header builder. So, ça c'est pour blog, ça c'est pour sidebar. Ça c'est pour WooCommerce, ou edit page yo. Ça c'est pour site identity, logo côté s'ouvre mettre logo pa ou capable changer logo ça ou retirer le mettre pa ou capable changer grosseur logo hein. OK. Ou capable mettre title apparaître en bas logo a modern current là OK là ou capable mettre tagline là pour paraître tout si vous voulez après ça vous mettez our customer top priority a si vous voulez paraître tout ka kitel site icon là c'est icon qui paraît dans coin là ouais là nous gagne un globe qui paraît parce que nous pas mettre site icon mais là n'a choisi même site icon que nous gagne déjà mettez même logo comme site icon well get a download 98 et photo alright me fait publish qu'on a les mal refresh ça me suppose ouais si si que ça apparaît même genre elle paraît là qu'on y a. Voilà. So, c'est là où travail. Comme que pour me faire une sur WordPress, pas les vidéos ça trop long. N'a juste passé sur lui. All right? So ça c'est côté capable ajouter home page là. Si par exemple vous créez une autre page ou besoin mon ouais une autre différent page ou choisir là par exemple besoin là on monte cliquer link ça pour paraître sous collection directement mais les là choisir collections et puis fait publish on a les mal là les mon tape website là pas pour home page ça encore la pour collection allez
Voilà. So, c'est ça. On nous retire ça qu'on te mette déjà. Yo. Retire ça. Display timeline. Display site tantôt. Logo 8. Ok. So, si par exemple, vous avez fait une modification dans ça, ou besoin de tourner dans default là, ou ka juste cliquer sur ti en frais flèche ça et puis la pour tourner dans la normal là encore. OK. So, en gros c'est ça. On pense nous fait ça qui tout ça qui nécessaire yo. Performance ou pas besoin l'autre Google Font yo parce que ça ka permettre que li réduit dans speed website tout. On change home page là, nous mettez le back sous home publish alright so kounya non moun paraît la pour home page là ça comme home page so kounya là on nous dit on t'a besoin modifier en home page ça on besoin changer pas dire where ça moi besoin changer un texte qui dans bouton yo on besoin changer tout bagay ça yo comment on capable faire pour me changer et ça qui dans home page là avec ça qui capable dans l'autre page yo. Ouais. N'a clique sur ti X ça automatiquement là mène nous dans dashboard là. Ouais, nous pour aller dans pages. On clique sur all pages. Et ben c'est là où modifier page yo personnellement. Pas oublier chaque ça yo son page, about me en son page, my story a son page, award achievement en son page, contact la son page. So c'est là où modifier. Nous pour aller pour home page là d'abord. Ça c'est home. Vous cliquez sur et vous faites edit with Elementor. On clique droit, m'ouvrir dans l'autre page. On s'attend qu'à cliquer sur la botte, on plus remet ouvert dans l'autre page. Là l'autre page là pour et puis voilà. En dans ça, ou capable ajouter, ou capable retirer, ou capable remplacer. OK? On prend par exemple, moi je veux changer par dress là, moi juste cliquer là dedans. Et puis m'aller à gauche là, moi mettre night dress plutôt. Voilà. Night dress. Si j'ai besoin changer ça en bas tout, me faire même bagarre là, me cliquer. Et puis me changer lui. Soit me retirer net et puis me dit this is my own text pour montrer nous de même pour bouton hein? Ou aller au shop de collection ou car retirer deux en mettre power collection forme bouton en cabal forme si me veut mettre espace bal grosseur me veut mettez link pour bouton par exemple tant que l'aimant est là ou si me cliquer sur lui il pas bon moyen parce que il pas gagné un link. OK, mais si me mettez un link par exemple moi mettez moderne /. About. Moi, je vais le mettre dans About. Ou bien, je vais mettre / collections. Yes. Update. Il save li. Moi, refresh page là. Donc, on a l'aime cliquer sur le bouton 1. Vous supposez que vous allez mettre dans collections. OK. So c'est là où changer link là. Ou cabal grosseur vle ou faire medium. Ou faire extra large. OK, ou ka changer icon là, si vous voulez mettre icon pa ou dans bouton. Mettez ça. Ou ti icon là paraît. OK. So si je changer forme size text là, tout capable changer, mettre le H2, mettre le H5. Quitter sur H1, capable centrer, ajouter le left,
justifier li. Ou capable faire ça ou vle. Kouna sou vle changer image là, mais comment capable changer li? En dans builder ça, li divisé par sections, columns, rows. Là nous dit section qui c'est section, là nous dit columns qui c'est colonne, là nous dit rows qui c'est ligne. Par exemple, ça son section. Là cliquer là son section. OK, ouais ça le marqué les mots vers sur lui. Section. En dans section ça gagne columns. Ça c'est columns. Et en dans columns ça gagne ça relé rows. C'est ça qui rows là. Par exemple, fi ça c'est non column nan ke liye. Pa kwen nan section nan non. Mgade mwen. Non, li pa nan section nan. Se nan colon nan ke liye. Si m fon klik dwa nan colon nan, fè edit colon, ou bien m klike sou li, m brale nan style, et puis m kote m kapab chanje fi a. M retire li, m mette image pam. Par exemple, si nou chwazi dam sa rad joun nan, insert media, automatiquement ouais li changer image là pour nous. OK, so c'est qu'on soit capable changer image là. Si me besoin changer ça qui en dans section là, m'aller me faire un clic droit sur section là, me faire edit section là, même côté section là, je suis capable modifier tout l'autre bagaille qui en dans section là, capable changer couleur, on capable changer background là. OK, m capable changer tout bagay net qui en dans section ça. So, m'a bien pour me faire yon vidéo pour nous sur Elementor, si toutefois nous quand même faire nous capable mettre un commentaire en bas description et m'a capable faire pour nous. Là, c'est même bagay yo, soit changer testimonials, ou capable changer là. Retirer li, comme ça tout me mettre le back. Changer texte qui n'en en l'air à l'âme, changer photo ça, m capable de mettre plusieurs autres photos m vle. M capable de choisir free image qui n'en library, an, tout mettre le pro, Pixabase. M capable de choisir yon lot, m mettre photo nom ça. Vali, li automatiquement changer le pro. En gros, c'est qu'on soit capable de modifier yon page. M va observer, hein. Sou besoin modifier contact plan tout fait même bagay là edit with Elementor ou besoin modifier about là ou fait même bagay là tout ou fait edit with Elementor et puis automatiquement on capable modifier quelque soit page qui gagne dans website là. OK, voilà about là, cliquer là dedans, changer là, on mettre about us là, on capable changer photo là, on clique là dedans, changer photo là, on capable changer texte, on capable draguer tout si on veut, ouais capable mettre là en bas, on capable ajouter si on veut, si on clique dans petit plus ça là, on capable ajouter, alright, capable ajouter page qui déjà existait, page qui pour qu'on existe, on peut ajouter blog, bloc, si vous voulez. Mais tout ça, il faut qu'on ait une proversion. On n'a pas besoin de ça. Donc, ça, ça, les free, on est capable d'insérer. On clique sur insert. Il peut demander pour me créer un account. C'est ça, on parle avec Elementor. All right? But, si vous voulez ajouter, on est capable de cliquer dans le petit plus là et pour choisir dans la librairie, page où vous voulez. Si vous voulez bloc, tout, on est capable de choisir blocs. Et on est capable de choisir template port qui déjà existait déjà. On sera tout capable ajouter columns avec encore on est capable dire en section. Par exemple, cliquez sur l'autre petit plus ça encore, vous capable choisir one section, two section, three section, quantité que vous voulez. On essaie choisir deux. All right. So, cliquez en dans petit plus ça qu'on y a là, vous capable ajouter texte si vous voulez. En bas là toujours vous capable ajouter texte toujours, texte editor. Voilà. Et puis là, je suis capable de mettre image, si vous voulez. Voilà, image. C'est le même processus. Drag and drop. On met image dans ça. Capable de size, vous voulez.
là et puis me fait update. Ça m'est capable ajouter padding si me veut, capable faire vin nan mitant si me veut. Edit columns, maintenant style, advance, mancoche ça, besoin pas de margin en l'air seulement. Je dois mettre la 40, je dois mettre la 140 pour le mi-temps, et puis je fais update. Ça c'était page about us. Si je suis allé dans about me, ouais, il paraît dans tête là. OK, il paraît dans tête là. So c'est comme ça on capable modifier. So pas besoin de tout, juste cliquer sur petit X là et puis la delete li, vous faites update. Refresh. Et puis la update li pour. All right? So en gros c'était tout ça nous t'ai gagné pour comment capable design website nous est comment capable changer texte yo, capable changer bouton yo, capable faire toute bagaille ça yo, et nous pas les vidéos à trop longue pour là nous pral voir comment capable ajouter un simple produit, comment capable ajouter un simple produit. An, par exemple en dans website ça moi t'a dit m'a vendre produit pam, mais produit a son simple produit li. Par exemple yon valise, valise là li pa gen aucune couleur, c'est juste une seule couleur am gen la dan. C'est juste une seule en forme valise là, moi gen la dan, une seule size là. OK? Sorry. Bral montre comment que capable ajouter. All right, ou aller dans products. Dans products là c'est là tout comme tu es capable dire, comme faire ça yo. C'est là tout produit ça yo que ou gagnen qui dans website là, collection ça yo. C'est dans pour partie produit en produit ça yo yo. Par exemple Allure Black Watch ça on va le montrer nous li li nan ou aller dans products on faire recherche really many même so grand monde ça c'est dans partie produit ça li lié. Mais est-ce si que tu as besoin ajouter produit PAM manuellement? Moi, je voulais ajouter produit PAM manuellement. Qui j'aime capable de faire? Ou pas aller dans le même produit, ça va cliquer sur Add New. Là, on va taper non. OK? Son bec, je vais l'ajouter. Je vais mettre le pour nous. Brown. Comme son seul couleur, je vais la donner. Je suis capable de mettre la couleur assemblée. Mettez hand bag. Nous avons un ballon. Non. Modern man handbag. C'est notre produit. OK? Partie ça là, c'est partie description. Quand je suis capable de taper. Description, li capable longue description. Konsa tou ka mete un short description tou. Mais nan pati sa ou ka mete valeur quantité mot que ou vle. All right? Bon mete this is a long description section. Pi an ba la si m vle m capable mete un paquet dans mi texte. So, partie ça que nous te wè là, c'est lui même qui représente partie ça, description ça. Short description ça, côté qui marque product short description ça, c'est lui même qui représente ça là. All right? So, on va le montrer nous. Bon, copier ça, mettez là. What map mettez short. Et en bas, je mettais un shot dans mes textes. Right. So, ça, c'est partie description. Ça, c'est partie short description. OK?
So qu'on y a là, nous parler non général. Non partie générale ça, c'est là où capable de si produit à son simple produit lié, si produit à son produit qui est variable. Et si son produit qui download, si son produit qui affilié, si son groupe produit ou bien si c'est un variable. Ouais, so comme étant donné n'a créé un simple produit, nous quittons sous simple produit. Et puis là, on mettait price là, on dit par exemple bag la vente $80. Okay? Là, ça c'est soit mettre sell price. So, on va le montrer nous ça après. Inventory, c'est là capable de manage quantité stock que vous avez en la caille. Sous qu'on ait son produit qui gagne 10 là-dedans, nous capable ajouter là. Ou capable mettre un SKU. SKU, c'est qui ça? C'est un numéro que vous associez avec tel type de produit. So, si vous pouvez gagner pour faire un calcul puis devant, ou capable utiliser SKU au lieu que vous utilisez non. OK? Nous pouvons mettre le mot dans le website. Moyen, dash 1, 2, 3, 4, j'en voulais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en voulais là. Vous cliquez sur petit bouton ça, là, bon côté pour capable ajouter quantité que vous avez en stock. Si c'est 10, vous avez en stock, mettez 10. Back order, ça c'est s'il vient arriver pas disponible encore. Et puis, qu'on est là, on capable mettre moun pa ka acheter li, la marqué out of stock automatiquement. Mais si vous voulez moun ka acheter toujours acheter malgré que li pa gen encore, capable mettre pour notifier customer. OK, customer va pas acheter produit ça. Eh ben, li out of stock oui, mais on va gen pour tant les li restock encore, capable toujours continuer acheter. Pour ça tout ka juste mettre sans message. OK? All right, mais chaque client achète un bagage, quantité ça la réduit. OK, ça c'est le mettre stock management là. Alright, so sold individually, ça veut dire c'est yon seul client capable d'acheter un produit ça seulement, pas qu'acheter deux, il capable d'ajouter yon seul. Shipping, n'a pas pour nous ça puis devant, mettez free shipping. Attribute, ça c'est si vous gagnez variable qui par exemple couleur, size ou capable mettre là, nous pas gagne variable, n'a fait ça après. Advance ou pas gagner pour ajouter, ou capable mettre un petit note pour client les lab shopping. À droite là c'est côté ou gagner catégorie ou connaître. Ou capable dire bon, comme étant son bag que m'bra l'ajouter dans qui ça m'ka et dans qui catégorie que m'ka mettre. Si m'pa gagne catégorie là m'ka add catégorie et puis mettre bag. Fait add new catégorie. OK, automatiquement le coche catégorie pour moi. Right, ou capable mettre tag qui gagne rapport à bags. Si moun nan tape tag lan capable joindre bags, on tape bag automatiquement depuis tout ça qui gagne rapport qui gagne keyword là dans qui c'est bag la palette. OK, on va mettre l'autre tag tout men bag men, on va mettre le pomento. Right, so nous pas pour nous toucher ça yo. Là c'est product image. Product image là c'est lui-même qui permet que depuis client paraît l'USA. En par exemple si m'aller dans catégorie en tout image ça nous qui paraît là c'est lui-même qui là feature image. Product gallery c'est lui-même l'on clique sur lui bon, moi si me décale une qui est product gallery. Ou après l'autre additionnel image paraît. OK, après image ça on va le montrer nous lui. On va mettre propre image pam. Fait upload. Voilà, même bag que nous va le vendre. On choisit bag ça, mettre couleur ça comme front là comme feature image là. On fait set product image. All right, on fait publish. Alright, même cliquer sur View Product, automatiquement produit en live là, OK? Voilà, mes bag là, really? So, il dit mes quantités qui gagnent en stock, but ou capable acheter s'il out of stock. Et ça fait moi-même WordPress, right? Dans Shopify, faut taper un moon. Pour faire tout le bagage ça pour ouais ça c'est short description section là côté me mettre là et ça c'est long description section là côté nous te mettre là tout
OK, client capable acheter produit ça. So qu'on y a là capable voir son seule image parce que là c'est une seule feature image là que nous te mettez. Mais nous pas mettre galerie en connia. On clique sur add gallery image, upload image, select file, on a choisi tout reste ça qui gagne rapport avec. Ou toujours, il est toujours important que l'image que vous mettez à la même dimension. 800 par 800 ou bien 1080 par 1080. Mais il faut éviter que l'image n'est pas trop lourde. Parce que tant l'image est lourde, c'est tant que la website ou en plus slow. Ok, notez ça. Je vais vous faire une autre vidéo pour montrer nous comment vous êtes capable d'optimiser une image pour être capable de fit dans la website. On fait Add to Gallery. Well, il upload 6 images dans la galerie. On fait update. Toujours songer pour faire update. Chaque fois qu'on fait update. Update, save. Ta couille image ça vraiment. Alright. So, les mal et la kounia me refresh. Ok, ouais, image paraît tout en bas. Voilà, ouais. Nous, quand on fait un monter là, c'est parce que l'image n'a pas la même dimension. Bon, l'image, je suppose, a la même dimension. Ouais. Il suppose passer comme ça. Ouais. So, l'offre le mobile, sur téléphone. Mais qui j'en pour le paraître. Ouais. Voilà. Bien chita dans le téléphone. OK? So nous et toute partie ça, ça est SKU qui paraît, il pas tellement important pour customer. Hein? Catégorie c'est bag, tag là c'est bag. Capable cliquer sur n'importe tag ça yo, là bas où tout produit qui gagne rapport avec et non ça. OK? So kounya là si m besoin ajouter price et sell price produit a te vendre $80 là kounya m di bon produit a descendre moi mettre l'en sell à $65 m'aller là mettre $65 et puis moi fait update OK. So qu'on a là nous pour aller là, n'a refresh li. Voilà. 65. Il était 80, on a 65. OK. So qu'on a pour montrer nous comment que on capable ajouter un produit à plusieurs variables. Qui j'en capable, qui ça qui un produit à plusieurs variables. Un produit à plusieurs variables, c'est un produit qui gagne la donne plusieurs variations. OK? Il est capable size, il est capable couleur, il est capable comment tu es capable dire size couleur. Mais si vous avez l'autre option tout capable mettre le tout. Par exemple, soit bon produit, il ca gagne ingrédients. Par exemple, ça c'est variable que vous. Mais là, nous pas utiliser size avec couleur. On fait même petit bagage là, on va aller dans products, fait add new. OK. Nous pouvons mettre yoga pants. Par exemple, ça nous pouvons vendre les yoga pants. Yoga pants. Là nous connaissons short description. Hein? Non, là c'est description longue. Hein? Sorry. OK. Nous mettons prix hein? Qui c'est 65. Inventory, nous mettez in stock. Pour inventory, il y a un petit genre vraiment compliqué parce qu'on a besoin pour mettre pour chaque. OK, mais nous mettez 50 là. Alright. So, attribute. Quand nous allons créer attribute,
C'est là nous pral gen pour nous ajouter si gagne size, si gagne couleur, si gagne l'autre bagaille là-dedans. Mais avant que nous allions là, nous capable la marquer attribute. Si nous font clic droit sur lui, ou capable mettre attribute là. Ça veut dire ou tout gagne attribute là qui paraît là. Mais comme ça tout ca créer en dans produit en tout. Ou juste cliquer sur add. Et puis là la djou mettez attribut ça vous voulez. On capable mettre size. Mais chaque attribut ça on va le créer là, la besoin que ou séparer le par yon bas. Ou capable aller dans computer là en l'air à gauche ou peser shift et puis ou après bouton ça ou peser. Et puis la djou la bas ou bas là. Mais là li plus facile pour nous, on va prendre juste attribut là par exemple, ou créer size. On mette la couleur là plutôt. Et puis, on fait add attribute. Ça, c'est pour couleur. Quand on a si besoin de modifier couleur, ouais, on fait configure terms. En dans configure terms là, en dans couleur, on est capable de mettre brown. On fait enter, on va ajouter le pour moi. On va mettre gray. Black. OK. Red. Assez pour attribut là. À son l'autre façon tout capable rentrer attribut là. Nous va le faire dans l'autre façon en tout. So mettez couleur dans ça. Si me clique sur attribut. Après couleur apparaît là, bon en dedans couleur a gagné black, brown, gray, red. So là on va aller kounya là pour ça. Pour size là, n'a créé size là lui-même en dedans ça. Size on a mettez small s. N'a pesé petit bouton 1, bas là, M, bouton 1, L, small, medium, large. Et pour faire save attribute. Automatiquement, capable, size là, li créé là. Pour nous. Ouais, on fait publish. OK. So, nous avons coulé acte déjà là et puis size là qu'on arrête. Nous va ajouter couleur à qu'on là dans size là, nous fait add. On choisit couleur et puis nous fait add. Et puis là on capable choisir brown, black, brown, gray, couleur que vous voulez pour faire save attribut. Alright, nous mettez attribut là. Mais, kounya là, gon bagay nous besoin faire pour capable sembler yon variable. Parce que actuellement là, nous mettez attribut yo, moi so montre nous comment que vous êtes capable mettre li nan attribute section nan. So kounya là, nous montre li comment capable mettre li nan partie produit. So kounya là, ou besoin faire sembler yon produit qui gen variable la dan. OK? So kounya ki so pral fè, ou pral aller nan produit data ou ap changer le de simple produit à variable produit. OK, so kounya attribut sa yo li gen li vin boyon l'autre bouton ki rele variation. An par exemple, si m clique sur produit an la, li pa paraît parce que poko yon produit avec variable, c'est juste un simple produit toujours été. OK, nous prenons les kounya là dans size là, assurez-nous que nous cochons ça qui dit use for variation. Nous prenons faire de même tout pour couleur. Nous prenons là n'a cochons ça qui dit use for variation. Nous fait save attribute.
Nous prenons la partie variation qu'on y a là, en temps de fini. Partie variation, automatiquement, l'abdou pour ajouter variation. Vous cliquez Create Variation from All Attributes. Et puis, la créer variation pour de tout attribut qui gagne dans la partie attribut qui a été créé. OK, il y a 9 variations qui ajoutent. Vous faites OK. Voilà. So, ou gen small, medium, large, sauf que les vinanti jan plus compliqué qu'on a la loi fait avec variation parce que vin gen plusieurs. Et faut qu'on mette yon image pour chaque size yo, yon prix pour chaque size yo. Ouais, tout ça est obligé mette. OK? So, par exemple, là, m'a mette price pour ça qui c'est 23 image. Upload. Select files. Je choisis ça. Vous pouvez peser contrôle dans le clavier et puis sélectionner plusieurs pour. Choisis deux ça et tout. Et puis deux ça. Bon, moi qui couleur? Black. Je choisis black. Ça c'est brown, on a choisi brown, en réalité ça t'a de brown, on nous prend exemple ça c'est brown, ça son pink clear, bon, on met le brown. Qui couleur encore? Ça c'est gray. On prend exemple ça c'est gray. OK. Sauf ça, on n'a pas tellement besoin. On n'a pas besoin pour être capable de speed vidéo. On fait save changes. So, nous restons focus dans small là plutôt. Et puis, nous fait update. Maintenant, on est là, dans Yoga Pants là, nous refresh. Li. Ouais. Nous te montrer nous comment pour ajouter image ça déjà. Li ba ou option qu'on y a ouais size là paraît, couleur apparaît. Capable choisir size là pour small seulement. Et puis black. Ça dit c'est ça qui gagne prix en seulement li ba ou. Option ça li ba ou. Ça tout l'autre qui pas paraît là c'est que yo pas gagne prix là-dedans. Ouais, on nous essayer ajouter prix dans là-dedans pour nous ouais. N'a prêter dans small 55. Juste un exemple. Save changes. Update. La main est là. Refresh. Couleur small seulement. On a une black là qui paraît. Une brown là qui paraît. Et on a une gray là qui paraît. So, ça veut dire que les clients, chaque salle sélectionnée, supposé aller à couleur. Jean que nous te dit tout à l'heure, nous te choisi ça comme exemple pour gris. Et nous te choisi ça comme exemple pour brown. Puisque nous pas de brown. Alright? So, c'est comme ça. Mais si je refresh page là, je vois que feature pour image là, il pas paraît. On a choisi feature image là pour être capable de compléter li. On choisit ça. Galerie. On choisit une prise de contrôle. 2, 3, 4, 5. Add to galerie. Et puis on choisit catégorie. On dit dress. Tag. Yoga. And. OK. Update. Dans les mains là, on refresh li. Voilà. Voilà. OK. Nous gagnons image galerie qui paraît. All right.
et puis ou gagne un size qui paraît. OK. En gros c'est ça. Et me penser nous faire en pile et me penser vidéo ça li pral vraiment longue. Ça c'était comment capable en créer un ou capable créer un produit qui gagne plusieurs variables là-dedans. Tester fonctionnalité website là. Qui sont capable tester fonctionnalité website là. OK. Ou pral gain pour aller dans settings. Vous pouvez aller dans plugins d'abord. Vous pouvez ajouter plugins qui ont rapport avec paiement. Et pour capable mettre paiement dans le website, tout, moi utiliser une compagnie qui est Stripe. Stripe, c'est pour crédit card. OK. Et moi utiliser une autre compagnie tout qui est PayPal. Stripe, là, c'est pour crédit card. Sim sign in la mande m rentre account mwen. All right, so PayPal la tout c'est li même mwen utilise pour PayPal et nous konnen en pile compagnie qui gen PayPal la dan avec credit card moun capable choose surtout l'el gen PayPal la dan. All right, so ou pral nan plugin ou fè add new et puis là ou tape un nom et compte là par exemple Stripe pour credit card on tape Stripe. Pour choisir ça. Mais avant tout, bon, montrez-nous comment que li paraît. L'aime ajouter une nan produit to cart. Fait view cart. Proceed to checkout. Well, il dit pas gen aucun paiement qui méthode qui est available pour côté mien. So, on va l'ajouter paiement méthode, on choisit Stripe ça. OK. Malé là tout qu'on a choisi PayPal. Bah, WooCommerce PayPal. On quoi ça? Il semble toujours pas. Non ça. 300,000 là. Bon, peu importe là, ça ou bien ça c'est même bagaille là. But nous toujours nous plus remet ça. 600,000 là. Ça qui gagne plus download là. Et pour faire activer. All right. On aller là tout, on activer Stripe là. Voilà, ça c'est toute application que vous gagnez dans website toi. OK, tout vraiment fonctionnel, vous besoin tout pour website là capable fonctionner. Quand on a sinon aller dans checkout là, nous faire refresh. Capable qu'on y a là PayPal là il paraît ça veut dire qu'on paiement qui déjà rentré là dedans mais Stripe là on a besoin aller dans Stripe account tout et puis pour capable activer lui par exemple un code il y a bas pour rentrer là dedans ou comme Stripe settings ouais mando pour connecter account ou bien capable ajouter code qui nan account ou. So, m pa gen pou m'ajoute le comme ça, m'a gen pou mete li pou nou nan l'autre vidéo. Une façon pour ne pas faire vidéo ça trop long et m'pense c'est tout ça nous te gagne pour nous faire. Et jodi a et si PayPal la active tout de même tout monde n'a capable en acheter avec PayPal là. M'a gen pou m'vin avec l'autre vidéo, nous pas besoin worry. Et si tout fan ta même vin avec le plus vite que possible, bon un commentaire en bas et m'a capable fait ça pour nous le plus vite que possible. En gros, c'est ça. On pense que nous t'ai apprendre et nous t'ai prendre un temps pour nous apprendre. Nous t'ai battre une chance pour nous apprendre. So, on pense que ça que nous t'ai apprendre nous implémenter automatiquement et c'est là où on capable joindre succès. Pendant que on va pas apprendre, on va implémenter et ça peut do aboutir avec succès que ou t'ai besoin pour aboutir. En gros, c'est ça, je pense que si nous t'aimons le travail là, nous sommes capables de faire un like.
partager li parce que et connaissance ça yo coûte en pile quoi youn et en pile moun charge moun en pile quoi bien côté on doit aller charger n'importe $3,000 pour créer un website pour un simple petit bagage drag and drop prend un bagage qui fait déjà mettez l'on côté pour et puis baoul ça fait ça parce que ou pas reçu ou bien ou pas gain connaissance assez et puis profiter de faiblesse ça ou la carrière pour faire quoi. Mais si toutefois tout ou pas gain temps, mon gain service moi qui est disponible ou capable contacter moi 24 sur 24 7 sur 7 et n'a capable aider ou nous pas faire website ou en pile cob nous vendre dans Fiverr tout capable checker nous dans Fiverr et n'a capable aider ou. En gros c'est ça me penser nous te enjoy nous te enjoy et parti ça c'était étape ou capable utiliser pour créer un website. Me penser c'est pas premier, c'est pas dernière vidéo m'a bien pour me faire. N'a bien l'autre cap vini. Support ko checker l'autre vidéo, capable aller sur channel là, on checker yo. Et comme ça n'a dit tout le monde, merci d'être choisi garder nous. N'a pour une prochaine vidéo.